Salut à vous, c'est Clexus. Alors tout d'abord, avant de commencer la vidéo, je tenais à vous remercier. On a atteint la barre des 100 abonnés, et ça franchement, gros merci à vous, en quelques semaines en plus. Donc voilà, je vois que mon contenu vous plaît, et pour ça, je voulais vous partager une astuce par rapport à comment faire des V-Bucks sans payer, à part bien sûr avoir au moins acheté le mode sauver le monde au départ, je préfère être honnête avec vous, faut au moins avoir le mode sauver le monde. Pour les joueurs Battle Royale, bon vous connaissez l'info je pense, faut acheter le pass de combat, et tous les 10 paliers, il me semble qu'il y a 100 V-Bucks à gagner. Voilà, c'est la seule astuce qu'on a trouvée pour l'instant, tout simplement. Donc voilà, la vidéo est destinée surtout à ceux qui ont le mode sauver le monde. Après, rien ne vous empêche de regarder si vous suivez la chaîne. Donc voilà. Donc on va commencer pour sauver le monde, simplement. Hop. Alors, il y a 3-4 astuces par rapport à ça. Après, bien sûr, si j'en ai oublié, précisez-moi-le en commentaire. Ça m'aidera aussi à en avoir plus, forcément. Donc la première, et celle qui va, je pense, en rapporter pas mal chaque jour. Enfin, chaque jour, du moins tous les 10 jours aussi, on va dire, entre guillemets. Parce que ça peut dépendre de leur récompense. Alors, c'est les récompenses quotidiennes. Pour faire simple, les récompenses quotidiennes, vous voyez là, au 147e jour et 154e jour, j'ai 150 V-Bucks tout, on va dire les deux jours, simplement. Si bien sûr vous ne connectez pas, on va dire, demain, moi je suis à mon 144e jour demain, si je me connecte pas, ne vous inquiétez pas, vous ne revenez pas au départ. Je préfère vous le dire directement, vous allez vous reconnecter, on va dire, le lendemain, vous serez au 145e jour, mais vous aurez raté en fait la récompense du 144e jour. Donc voilà. Donc ça peut aller, je vais vous préciser les paliers de récompense, ça peut aller de 150 V-Bucks à 800. Moi pour l'instant c'est le maximum que j'ai vu et franchement c'est vraiment rentable pour ceux qui s'achètent le mode sauver le monde. Donc pour faire simple, ça va commencer avec des 50 forcément, ça va ensuite poursuivre par des 300, 150 et ça pourra monter jusqu'à 450 il me semble. Pour ensuite finir à 800. Pour l'instant moi c'est celle que j'ai eu le plus élevé on va dire là, comme récompense. Donc la 800, il me semble que je l'ai eu vers le 95e jour, si je dis pas de bêtises. Mais voilà, quand vous vous dites qu'il y en a qui utilisent leur argent, qui mettent 20 balles pour un skin. Bon après, chacun fait ce qu'il veut, je critique pas. Mais moi, mon avis, je préfère encore acheter un jeu que je farme, on va dire, un minimum. Et que ce soit rentable, on va dire, en échange. Que je gagne des V-Bucks, que je puisse m'acheter des trucs dans le Battle Royale, simplement. Bon après, chacun fait ce qu'il veut, voilà. Donc ça, c'était la petite astuce par rapport à ça. Donc farmer le... On va dire les récompenses quotidiennes tous les jours. Connectez-vous au moins une fois. Il me semble que l'actualisation se fait à 1h du matin tous les jours, simplement. Donc voilà, farmez ça. Ensuite, la deuxième technique. Il me semble que c'est en Arsenal Collection. Vous allez en fait sacrifier vos héros, vos pièges, vos fils d'assaut, etc. Enfin, vos armes. Contre des points, comme vous pouvez voir en haut à gauche. J'en ai 503 000, un truc comme ça. Donc arrivé à un certain level, alors je sais plus par contre, je peux pas vous dire les levels que c'est exactement. Il me semble qu'à certains levels vous allez débloquer 500 V-Bucks, 300 V-Bucks, enfin des choses comme ça. Ça vous dira normalement ce qui arrive à l'avenir, comme moi niveau 41 là j'ai un lama. Donc voilà, mais des fois ça vous mettra des points d'interrogation. Mais n'hésitez pas quand même à lâcher tout ce qui vous sert pas. Vous sacrifiez tout, vous allez monter, vous allez voir, vous allez gagner quand même pas mal de V-Bucks aussi. Donc ça peut être aussi rentable de faire de la collection, simplement. Ensuite, je connais une autre astuce par rapport à ça. Alors je sais pas si c'est la dernière. Bon, on va dire que c'est la dernière pour moi, parce qu'il me semble que le butin, les lamas et tout, vous ne gagnez pas de... Je crois pas que vous gagnez des V-Bucks sur ça. Je crois pas. Donc, la dernière astuce que je connais, ça va être par rapport aux quêtes. Donc, tous les jours, vous avez 3 quêtes quotidiennes à faire. Donc, ça va être cela. Vous voyez, je gagne 150. On va dire 50 V-Bucks par quête. Donc, 150 au final, simplement. Donc, il y a 3 quêtes quotidiennes à faire pour une récompense de 150 V-Bucks tous les jours. Ensuite, il y a aussi une autre astuce par rapport à ça aussi. C'est qu'imaginons que vous allez aider vos amis en fait, on va dire, ou des personnes que vous ne connaissez pas, tout simplement, vous allez rejoindre pour faire leur quête, défendre le bouclier anti-tempête, un truc comme ça, vous gagnerez normalement 50 V-Bucks à chaque fois, si je dis pas des bêtises. Il me semble que vous allez gagner à chaque fois 50 V-Bucks. Voilà. Donc ça peut aller, allez, on va dire, vous faites une défense de 10 minutes, 50 V-Bucks à chaque fois, ça peut monter quand même assez haut. Après, c'est à voir, je suis pas sûr de ce que je dis, il me semble que je l'ai vu. Mais c'est ils ont peut-être mis une limite maintenant, je sais pas, peut-être que c'est assez cheaté, je sais pas, après. Après c'est au gros farmer de me valider ça, mais je pense que ça doit être ça, ouais. Et la dernière astuce, c'est simple, et ben c'est les quêtes, hein, de toute façon, je vais pas vous mentir, c'est pas les quêtes secondaires, mais c'est les autres quêtes, il me semble que ça en donne. Voilà, les défis par exemple, vous voyez, tenez la porte, ça c'est ce que je disais, le bouclier anti-tempête. Il y a aussi, voilà, ça, mission accomplie, enfin voilà, après c'est les missions qui en donnent quoi. Mais voilà, retenez surtout bien, c'est les récompenses quotidiennes. C'est, on va dire, les quêtes secondaires tous les jours, simplement.
Et puis pourquoi pas aider aussi vos proches à faire l'émission, enfin vous rendre la pareille tout simplement, ou de farmer tout simplement la mission quoi. Il me semble que ouais, ça peut donner quand même pas mal de V-Bucks. Enfin voilà. Donc écoutez, c'est la fin de cette vidéo. J'essaierai de faire une troisième partie sur comment dissocier un compte secondaire. Parce que forcément, bah là, je vais renvoyer mes infos à Epic Games, qui va enfin se pencher sérieusement sur mon dossier, pour enfin dissocier ce compte qui nous embête, et de mettre enfin le vrai compte, en fait, tout simplement. Le compte principal. Donc voilà. Donc écoutez, ben encore merci pour les 100 abonnés. Franchement, c'est cool. Et je vous dis à la prochaine.